Alors, dans le domaine des systèmes et infrastructures open source, Smile a gagné une grande compétence en accompagnant des projets web pour le compte de ses clients de bout en bout, sur toute la chaîne, du plus bas jusqu'au plus haut, sur des problématiques d'OS, bien sûr, avec Linux, des problématiques réseau et de haute disponibilité, et au plus haut de la chaîne, des problématiques applicatifs, avec des optimisations et des systèmes de mise en cache pour gagner en performance. Cette compétence système que nous avons gagnée, nous la mettons maintenant au service de nos clients qui souhaitent intégrer des solutions open source dans le système d'information existant, au travers de solutions de virtualisation, des solutions de supervision, des solutions de messagerie et de groupware, des solutions aussi de voix sur IP pour intégrer la téléphonie dans le monde informatique, et des solutions de gestion de parc. Dans le domaine de la virtualisation, nous proposons à nos clients d'utiliser OpenVZ pour les domaines de la para-virtualisation ou Xen pour le domaine des hyperviseurs. Dans les problématiques de supervision, nous utilisons ou nous proposons Nagios et Centreon, Cacti, Munin et Zabbix. Dans le domaine de la messagerie, les outils les plus souvent retenus seront PostFix ou Exim pour le SMTP, Cirrus, IMAP ou Dovecot pour la partie IMAP, et pour la partie groupware, Zarafa ou Zimbra, qui proposent une courbe d'apprentissage très aisée pour les utilisateurs qui n'ont pas à changer leurs habitudes avec des produits de ce style. Dans le domaine de la voix sur IP, c'est bien sûr Asterisk, hein, le leader du marché open source dans ce domaine. Et pour la partie gestion de parc, ce sera souvent GLPI, adossé à OCSNG, qui sera retenu pour utiliser ses fonctionnalités de gestion de tickets, de centralisation des incidents matériels. Alors, à Smile, nous pensons que les solutions open source actuelles ont atteint un niveau de maturité largement suffisant pour que l'entreprise s'y retrouve, notamment en termes d'intégration, puisque l'open source permet de ne prendre que les briques qui intéressent l'entreprise et de les assembler pour répondre au plus précis aux besoins. En termes de modularité, puisque en disposant des sources, l'entreprise peut adapter le produit à ses besoins spécifiques lorsque une contrainte n'est pas remplie par le produit de base. Et puis bien sûr en termes de coût de licence, où on va permettre d'économiser rapidement de l'argent. Pour toutes ces raisons, nous pensons que les solutions open source au niveau système et infrastructure sont maintenant une bonne opportunité pour l'entreprise et peuvent apporter un plus très intéressant lorsqu'on les intègre dans le système d'information générale.